Mercredi, c'est la journée des classiques, hein. Musique, littérature et le cinéma de Thomas. Commissaire Le Tellier, j'écoute. Vous avez lu l'Enfer de Dante, commissaire? Sans doute pas. Eh bien, je suis Minos. Après chacune de mes condamnations, vous recevrez une lettre. Le double en sera envoyé à la presse. Elle contiendra le nom de ma victime et une photo qui représentera une partie de mon corps. Vous les assemblerez comme un puzzle et vous obtiendrez un jour mon portrait tout entier. Vous connaîtrez donc Minos. Mais d'ici là, le monde aura tremblé. Alors, le monde, je ne sais pas, mais moi, c'est sûr, car ce salopard, son œil de verre et ses split-screens font partie de mes traumatismes d'enfance, comme le divorce de mes parents et Joe l'Indien. Ah non, non, on n'est pas là pour rigoler, mais pour avoir peur sur la ville, avec ce terrifiant thème tapissé de sifflets, harmonica et piano en rythmique made in Morricone. Il fait partie de mon top 3 des BO les plus flippantes avec l'ostinato des Dents de la Mer de John Williams et les cordes de Psychose par Bernard Herrmann. Par la faute de ces trois compositeurs oscarisés, je ne me douche plus, je ne me baigne plus et je ne prends plus la ligne 6 du métro parisien. La scène où Bébel traverse la Seine sur le toit d'un métro pont Birakeim est la cascade iconique du film qui inspira McQueen ou le Thomas Croisière américain. Le réalisateur raconte. On a peur pour lui parce qu'enfin, quand il est sur ce toit du métro, il y a 750 volts à gauche s'il tombe et il y a 70 mètres à droite s'il tombe. Quelqu'un qui assistait au tournage l'interpella en lui disant « Bravo Bébel, pour 100 briques, moi je ne l'aurais pas fait ». La star lui répondit « Moi non plus, tu m'étonnes, il prenait beaucoup plus ». Henri Verneuil et lui tournèrent 8 films ensemble, dont « Un singe en hiver », « Le casse »,« Weekend à Sweetcote » ou « 100 000 dollars au soleil ». Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Si on vient d'entendre du Audiard, cette fois-ci les dialogues sont de Francis Weber, oui, le réalisateur de La Chèvre ou du Dîner de cons en mode moins gaulerie. Il a fallu attendre 1975 et ses 42 ans pour que Bébel enfile son premier cuir de flic, qui, bien sûr, a des problèmes avec l'autorité et que recadre Jean Martin. Le Tellier, vous êtes commissaire principal de la brigade criminelle, pas videur dans une boîte de nuit. Que vous préfériez le western à l'explication psychologique, ça vous regarde. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Et non, dégoûté par l'échec de Stravinsky, Belmondo décide de ne plus s'investir que dans le cinéma populaire. Il s'offre ainsi une décennie de succès à base d'affiches avec sa gueule et son nom en gros. 4 millions de spectateurs frémirent quand il glissait sur les toits des galeries ou se balançait d'un hélico pour débusquer ce serial killer. Ou plutôt... Nous serions en présence d'un schizophrène de forme paranoïde. Oui, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout. Oh non, car il désingue Léa Massari, Catherine Morin et Rosy Vart, malgré les efforts du commissaire Le Tellier et son adjoint Moissac, joué par Charles Denner. Minos, c'est la terrible voix de la conscience qui juge les intentions et qui prononce les condamnations. Coproduction oblige, il est incarné par l'acteur italien Adalberto Maria Merli, dont la performance illustre parfaitement cette citation d'Alfred Hitchcock « Quand le méchant est réussi, le film est réussi ». Ce film a deux héros, la peur et la ville, car il nous fait revivre le Paris d'il y a 50 ans avec ses tours du front de scène, sa maison de la radio, son pont Mirabeau où on le pouvait stationner, ses cinémas où on programmait du porno et ses boulevards où on roulait en R16. Si la Renault 16 TX vous offre tant d'équipements en série, c'est pour que vous puissiez profiter pleinement de ses qualités routières et de ses 5 vitesses. Chez Renault, c'est comme cela que l'on conçoit une autoroutière. Vive les années 70 et vive le cinéma !